Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. C'est une vidéo qui est assez rapide, je pense. J'ai pas grand chose à dire, mais j'aimerais quand même relever quelque chose avec vous. Bon, finalement, ce sera pas le français qu'on relèvera aujourd'hui, mais ça, je pense que vous avez l'habitude. Bah, je pense que vous savez de quoi on va parler déjà par rapport à la miniature. Mais ces derniers temps, Popini a posté une vidéo la semaine dernière. Je crois que c'est le 20 janvier, un truc comme ça. Dans laquelle on peut voir, dans les 2 minutes 39, un dessin de son côté face, donc son visage dessiné. Alors je sais pas si c'est elle qui l'a dessiné ou pas, en tout cas si c'est elle qui l'a dessiné, bravo à elle. C'est plutôt bien réalisé. Je parle en connaissance de cause étant donné que je suis une professionnelle du dessin. En fait non, pas vrai du tout, je suis vraiment nulle en dessin. Vraiment vraiment, mais bon, je sais que c'est assez difficile quand même de dessiner. Bah de toute manière je vais tout vous mettre en description. Bah pas respect pour elle ou quoi, parce que peut-être qu'elle a pas trop envie de le montrer ou quoi. Je sais pas, mais si vous voulez voir la photo, je vais vous mettre le lien vers sa vidéo en description. Vous pourrez le voir vers les 2 minutes 39. Si vous voulez aller voir le dessin de son visage. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Poppy, Red Poppy. Moi, je connais vaguement. J'avais eu vent d'elle il y a quelques années. Elle a quelques chansons qui sont assez connues. Connues, mais sans plus non plus. Et en fait, Red Poppy, je sais pas si on doit dire Poppy ou Red Poppy, parce qu'il y a des vidéos où elle s'appelle Poppy et d'autres où elle s'appelle Red Poppy. De toute façon, vous pouvez les rechercher sur YouTube, hein, Poppy, Red Poppy, vous allez trouver plein de musique d'elle. D'ailleurs, je crois qu'elle a un comportement assez spécial parce que, je sais pas, elle est assez spéciale, elle est assez chelou la fille. Mais en gros, la chanteuse Poppy me fait étrangement penser au dessin de Popini. Alors, on sait que son compte sur MSP a été créé en 2012, mais son compte MSP s'appelle Popini. Par contre, son compte YouTube s'appelle Poppy Poopy. Alors, je sais pas du tout, en plus, vous qui êtes là depuis sûrement plus longtemps que moi sur MSP, peut-être que vous savez, mais peut-être que aussi Popini est fan de Poppy, je ne sais pas. Ou peut-être qu'elle se stylise un peu sur Poppy, je ne sais pas non plus, ça se fait, je dis des énormes conneries. À ce moment-là, reprenez-moi dans les commentaires. Mais bon, vu que c'est sa chaîne YouTube, on peut renommer les chaînes YouTube, voilà, etc. Donc, peut-être qu'après, elle l'a renommée en Poppy. Parce que Poppy Dad Poppy, comme je crois que je l'ai déjà dit, ou je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il me semble qu'elle a commencé sa carrière, enfin sa carrière a commencé à décoller en 2014-2015, donc après la création du compte de Popini sur Movistar Planet. Et de toute façon, vous allez voir, et je vous fais défiler au montage, je vous ferai défiler des photos de Dad Poppy, et après vous irez voir, ou avant, le mieux c'est que vous ayez d'abord avant voir le dessin du visage de Popini sur sa vidéo, sur sa chaîne. Pour constater si effectivement d'après vous il y a une ressemblance ou pas. Mais je pense que ça peut s'expliquer de différentes manières. Par exemple, je sais pas, soit c'est un hasard, ça peut être un hasard total. Je sais qu'à un moment il y avait aussi une youtubeuse qui faisait du Minecraft, que j'ai connu avant même de faire du MSP, qui s'appelait je crois Poppy. Un truc comme ça, c'est du Minecraft, elle a été assez connue. D'ailleurs, faudrait que j'aille voir ce qu'elle est devenue elle. Et voilà, ça peut s'expliquer par le hasard, ça peut s'expliquer aussi peut-être qu'elle est fan de elle et du coup elle se stylise à la manière de Poppy, je ne sais pas. J'ai remarqué qu'il y avait, enfin, que même son visage ressemblait, ses cheveux, ses dents, qu'il y a pas mal de choses qui ressemblaient. C'est peut-être Poppy, mais version plus jeune, hein. Enfin Poppy la chanteuse. Non, faut que je me justifie de laquelle je parle maintenant, mais de Poppy la chanteuse, ouais, peut-être version plus jeune, je sais pas. Peut-être c'est sa fille cachée, je ne sais pas. Non, enfin bref, là je commence à m'emballer toute seule. Enfin bref, je vous laisse donner votre avis en commentaire de ce que vous pensez, de si vous aussi vous voyez une ressemblance ou pas, une similitude ou pas. Du coup je vous laisse aller regarder ça et c'est tout ce que je voulais dire, hein, donc je suis désolée si cette vidéo elle est assez courte et qu'elle est sûrement inutile et inintéressante au final, mais en fait, quand j'ai vu ça, j'avais tellement envie de connaître votre avis que du coup j'ai dû faire une vidéo, voilà. Bon à toute heure et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live, je vous fais de très gros bisous, ciao ciao.